C'est bon les refs. On est de retour. Wesh, l'odeur, elle a fait crash. Pourquoi vous repassez ici? C'est par là. Venez, wesh. Oui, non, le bébé, il a pas bougé, c'est bon. Info chat. C'est là? Ouais, j'ai de l'adrénaline de fou. Wesh. Et on est 100K les refs. L'argent fait le bonheur. Dur ? Ouais. Allez, allez. Arrête. Voilà. Dinguerie, c'est grand mieux. Mais les refs, 100K ou 10K ou 1K, on fait ce qu'on aime. C'est tout. On fait ce qu'on aime de fou. Attends, il y a écrit quoi sur le mur ? L'argent ? Ah oui, l'argent fait le bonheur. 9, 9, 9. Putain, j'ai envie de cracher depuis tout à l'heure. Comment dans quel sens ? Cracher par terre, mais j'ai peur que c'est pas bien de cracher dans des lieux comme ça. Regardez le big canapé là, avec tout ce qu'il y a par terre. Les livres en russe et tout là. J'avoue, il y a quelqu'un qui a déchiqueté plein de pages d'un livre. Regarde, il y a plein de livres là. Genre là, c'est quoi ce livre? Mais pourquoi c'est quoi le sens de déchirer toutes ces pages? Et Ajaïch, Séphie, regarde, tu marchais sur quelle page? J'ai marché sur quoi? Macron. Non, oh. Là, sur ton pied, Macron. Attends, j'arrive pas à lire. Ah, Macron. Mais non, Macaron, ça va. Ah, Macaron. Macaron. Ouais, c'était Macron. Mais c'est quoi le sens de déchirer toutes ces pages? Il y en a partout déchirées. Je crois il a lu un livre, la fin ça l'a zéraf, il s'est dit nique sa mère, je veux ce livre de merde, je vais déchirer. Tu penses? Ouais. Toute une histoire, et à la fin c'est quoi? Le mec il se réveille, il était dans le coma. Regardez le big démon là. Ah, Zarma, tout ça n'était qu'un rêve. Ouais, ça l'a zéraf, il a tout déchiré. Oh! Quoi? Fils de pute. Ouais, ça fait... Et qui rigole à part lui là? On dirait un fou furieux. Il a 40 ans, il fait des célébrations fortes. Ah, tout le monde dit moi. Tout le monde dit, il rigole. Je m'en fous. Dans cette pièce, le sol il a l'air de. Ah ouais? Il a l'air de s'enfoncer. Bon. Ok. Wesh. Ouais, ça a du bug. T'es marre. Mais tout est dans le châssis. Ok. Comme ça m'a. Ah oui, fait, oui. Fait ouais, ok. Ah oui, y a rien d'intéressant là-dedans. Y'a rien d'intéressant là-dedans. Je trouve qu'il y a une ambiance pesante en fait. C'est quoi ça? Khaldit, 20 secondes. Je crois que c'est de la mana pendant 30 secondes et. Zarma, t'as pris un double. Ah ouais? Black Sabbath, Rammstein, Ghost, Korn, Nirvana. Ça, c'est des groupes de rock? Ouais, de metal rock. Mais Sabbath, c'est pas le truc juif, la fête juive? La quoi? Sabbath. C'est Shabbat. Shabbat.
Ah, sa mère. Non, ça passe. Ça veut dire quoi là, wesh? Maté, il y a des lames et tout, je crois. Ah ouais. Ah, ce livre-là, il l'a pas fini, il l'a pas déchiré encore. Putain, c'est en russe, mais... Mais il l'a pas déchiré, celui-là, t'as vu? Ouais, il s'arrêtait là dans l'histoire, après, je sais pas ce qui lui arrive. Celui-là, il lui a fait de l'effet. Page 63. Vas-y, peut-être regarde le live. Attends, attends. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai peur, wesh. Tombe pas là, wesh. Une panique? T'as sorti l'album de Medine là? Merde, t'as fait tomber la grille de la light. Ah merde. Elle est par terre là. Ah oui. Merci Bilouche. C'est ça, elle est super clean carrément. Je pourrais y habiter. Ah ouais? Elle est clean, je pourrais normal dormir ici. Mais je pense que c'est un frérot qui l'a nettoyé. Il a habité ici. J'avoue, on dirait un appart étudiant, wesh. C'est... On dirait pas mon ancien appart. Eh, c'est la même taille que chez toi. Avec le balcon, c'est le même. On dirait mon ancien appart de fou, wesh. Mais en vrai, tu passes l'aspiro, deux, trois petits trucs, tu ramènes deux, trois petits trucs. C'est en vrai, hey, tu ramènes, tu sais, la meuf de déco, là, ma rouflette. Valérie D'Amido. Mais elle a plus décoré des trucs depuis 2008. Eh, hey, imagine, un jour, tu ramènes Valérie D'Amido ici, et elle refait une pièce de fou. J'avoue, ça pourrait être un bon concept. Mais vu qu'elle s'est arrêtée de décorer en 2008, ses références, c'est Iniesta, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, il va avoir des... Ses références, c'est Paoletta, c'est Ronaldo. Elle va te mettre du papier peint avec Bonaldo, Pessi. Mais hey, tu t'y connais en foot quand même, choqué. Ouais, les anciens joueurs, je connais bien. Oh, c'est pas mal. Il y a un joueur, il jouait à Rennes en 1990, un attaquant. C'était Thomas... Loyer, un truc comme ça. Non, ça c'était le huissier de justice. En tout cas, je regardais des matchs. Thomas Loyer. Thomas Loyer, quoi. Il n'y a que ceux qui habitent à Rennes qui connaissent. Mais wesh, c'est des photos, ça. Wesh, il y a un mec, il a bu un cacolac. Quoi? Il a bu un cacolac, il l'a cassé. Ça existe encore? C'est la meilleure boisson, cacolac. Cacolac, ça pue sa mère. Mais c'était pas un truc genre dans les bronzés et tout? C'est pas une boisson de film? Non, moi j'en ai déjà acheté à la Franprix. Ah ouais? Les refs, j'ai l'impression que si on reste à 3 ici, le sol il va s'effondrer. Ouais, non, 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 on bouge. Arrête, Amine. Allez, le sol porte il se casse. Porte le coup. Voilà. C'est fait, après, il y a des trucs à visiter. Bien sûr. T'as fait que un bâtiment là. Okay. Ça, c'était une cuisine. Ouais, c'est beau ici. Ça marquait quoi sur le mur? Ah non, ça dormait vraiment, la vie de ma mère, ah ouais, ça dormait vraiment. Ah non, non, wesh. Attends, il est trop clean cette room? Ouais, je témoigne ici, ça dormait ici là, il y a pas longtemps. Il me dit pas 2016, frère. Ça dormait ici il y a quelques mois là. Ça a baisé ici là. Wesh, c'est pas possible. On dirait ma chambre quand j'habitais à Nanterre. Bah oui, frère. J'avais la même chose. Ah non, frère, te fous pas de ma gueule. Regardez sur le mur, wesh. Waouh. En fait, c'était des studios entre guillemets, il y avait genre lit, cuisine. Ouais. Mais ce qui me rend ouf, c'est de me dire quel est le mec qui est venu et qui a tout enculé avant. Je te jure. Comment il a fait? C'est dingue. Oh, c'est fini, il y a un truc pour enfant de 3 ans. Ah ouais, fais voir. Tu sais, les lits derrière les bébés là. Ah ouais? Wow. Ça veut dire qu'ils s'occupaient même de nourrissons. Ouais, des petits bébés. Putain. J'espère que... Et apparemment, c'est écrit ne pas rentrer. Où? Juste là. On n'a pas vu. Trop tard. Oui, j'ai une machine à laver. Elle a l'air d'être en trop bon état. Frère, pourquoi il y a écrit ça? C'est qui, lui? Agachou? Non, faut pas le dire 3 fois. Oh! On dirait le mec de FNAF. Ouais. C'est le lapin dans Five Nights at Freddy's. Bah, c'est lui. Attends, Zarma, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Faut qu'on surveille chaque entrée à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Mets-toi de là. Putain. Il y a des bruits bizarres dehors. Ah ouais? Je te jure. Eh, hey, Ansar, hey, la machine elle est en bon état, vous êtes toujours la récup? Abuse pas, j'ai joué à marcher. Elle marche, je pense. Ouais, moi je la retape, frère. Je la revois sur le bon coin, frère. Ansar, il manque juste le couvercle dessus. Ansar, moi je suis un peu en déj de thunes, là. Sérieux?
Ouais, je suis chaud. Hein. Mais frérot, pour mettre le couvercle dessus, on a juste à. T'inquiète, t'inquiète, j'ai mis une planche de bois. Ouais, on a juste à casser ça. Oh, je suis chaud, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas réussi à la casser. Frérot, ça se trouve, ça, c'est, ça appartient à quelqu'un et tu lui as niqué son truc là. Il va revenir ici, tu l'auras cassé. Bah, je le repaye. Bah, tu dois l'attendre ici maintenant. Non, pareil, tu dois l'attendre ici. Waouh. Tu vas devoir t'excuser, mon ref. Mais il était déjà cassé. Il y a la rediff, je vais lui montrer la rediff. Vas-y. Fait. Excuse-nous, Thomas Loyer. Pour, Thomas Loyer, mais il était déjà cassé, je te promets. Wesh, wesh, wesh. Marche encore plus fort, wesh. Je commence un peu à déstresser. Ah ouais? Parce que. La salle d'en bas là, elle m'a foutu. La salle d'en bas, elle met dans un stress. Elle m'a foutu là. Est-ce que c'était quoi ce regard, fils de pute? Non, ouais. Ah, t'as fait un regard vraiment bizarre, ça me matin. Oh, j'avais beaucoup de shots ici. T'as vu, ça chie, hein? Ah, je pense que les Russes. Ça chie. Ça fait caca, hein? Ça chie. Ici, ça chie. Ça chie là. Ah, tu chies. Ah, tu chies là. Ah, ça chie, hein. Ah, ça chie, hein. Ça chie. Ah, tu chies, toi. Bon, venez, on va... On a fini, non, ici? On a fini le premier bâtiment, ouais. Il y a combien de bâtiments? Il y en a deux? Il y en a, on va en faire deux, ouais. Vas-y, vas-y. Je sens que le deuxième, il va être pire. Non, celui-là, c'est le plus... Alors ça, celui que je vais vous montrer, je l'ai pas fait. J'ai pas osé rentrer dedans. Ah ouais? T'as... Ouais, je vous le dis. Vas-y, vas-y, let's go. Celui-là, je le connaissais, ça va. L'autre, j'ai aucune info. Mais c'est quoi les bruits de porte qu'on a entendu, de pas, de le bourrin d'Arsène de Libre? Ah, tu chies, hein? Si on... Oh, j'ai rien dit, là. Si on était en tout... Si on était tout en haut, on a rien entendu, enfin, on a rien vu. Ah, mais c'est toi l'expert en alcool. C'est quoi la bouteille ici, là? La chaise. Oh, tu chantes, mon c'était vrai. Pourquoi il y a que de la lui, il se faisait une chicha ou quoi? Je pense qu'il se faisait chicha, Captain Morgan, Doliprane, au dodo. Ça chicha. Ça chicha. Ça chicha. Ça chicha. Ça chicha. Casse-toi. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai cru entendre du bruit, j'ai pas voulu faire mes paroles. Je te jure. Mais vous avez entendu ça où? J'ai entendu là, je vous dormais. Il y a des gens. Ah ouais? Il y a des gens. Je regarde des gens. Voilà, j'ai entendu quelqu'un parler. Il y a des gens. Voilà, 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 voilà. Voilà, j'ai entendu quelqu'un parler. Il y a des gens. Il y a quelqu'un. T'entends? Ah oui, il y a des gens. Ouais. Il y a quelqu'un. Il dit quoi? Mais wesh, il a un pistolet. Il a un gun là ou je fous le? Non. Attends. Voilà, on dirait une arme. Non. On dirait une calage dans la main. Non. Soit c'est une béquille, soit c'est une arme, voilà. C'est une béquille ou une arme, frère. Il va tenir comme ça. Non, genre. Est-ce que je, pour le tout, je dis qu'est-ce que vous faites dans mon château? Oh, il est là, t'es là. Attends. Attends. Tiens, c'est Fivian. Vous voulez que j'éteins la lumière? Vas-y, éteins la lumière. Éteins la lumière. Attends, merde. Ouais, je l'augmente, wesh. Il a une arme, wesh. Non, j'aurai une arme. Mais viens, filme, frère. Au moins, il y aura des preuves le jour du procès. Quel procès? Bah, s'ils nous tuent, ils nous tirent dessus, il y aura un procès, nos proches, ils vont faire un procès. Ah oui, c'est vrai. Regarde, ils sont là. Ah ouais. Ah, ils ont éteint les lumières, ils sont là. Coupe ta lumière aussi. Counter attaque. Counter. Je counter. Merde. Comment faire? Oula. Mais si on les croise face à nous, on fait quoi? On leur baisse leur mère. Merde. Il a un fusil de chasse, les gars. Hein? Ils ont un fusil de chasse. Regarde, tu vois bien en bas. Dans sa main. Attends, je vois pas. Et il marche sur les deux jambes, ça veut dire que c'est pas une béquille. Et il a un fusil. Non, je il a un fusil. Il a un fusil. Non, je Attends, cache que je le fais. Voilà, il a un fusil. Attends, il dit, c'est viens, mon pote. Ouais, ouais, ouais. Que faites-vous dans notre demeure? Bonsoir. Vous êtes ici dans notre demeure. Que faites-vous? Que faites-vous avec votre arme? Comment? Comment ça, descendez? Quoi? Descendez pourquoi?
Je vais appeler les forces de l'ordre. Oh non. C'est une menace? Qui êtes-vous exactement? Pourquoi êtes-vous dans ces lieux? Babybel. Quelle odeur vous parlez? Je suis Monsieur Loyer. Veuillez bouger d'ici. Écoute-moi bien. Les forces de l'ordre vont arriver. Plus précisément la départementale. Bonne soirée, merci bien. Imite la sirène pour faire jouer plus sérieux. T'as sorti la AK? Ouais, tu veux la tester? Non, ça arrive pas mal la suite. J'ai peur de voir ça. Je ne pense pas une buster. Voilà. Attends, ça c'est des trucs qui nous arrachent un peu quand même. Attends, c'est viewer. Le poteau, on connaît. Je sais pas si c'est. Il a dit oui, j'ai sorti ton odeur jusqu'ici. Non, bah, j'imagine ça, la limite, mais. Ah ouais? Le délire. Vas-y, viens, on dirait que je suis son petit. Le truc, c'est que je vais mettre un German suplex et. C'est en ça. Plus, ton German suplex, il a le temps de dire tout un tonne de One Piece quand tu fais, vu comment t'es gros. T'as vu? C'est-à-dire qu'il va faire le tour, ça va durer longtemps, il va arriver d'en haut, il va repartir, son dos, il va être mort. Putain, ça va durer. Bah, c'est 20 minutes, ça, du stream. Bah, lis le dernier. Ah, vous allez descendre? Pourquoi? Pourquoi, mon ref? Prends-la d'ici. Vas-y, viens, fais ton selfie, je suis comme ça. Fais ton selfie d'ici, mon ref. On est là, tu fais le selfie de là. Mais... C'est toi le Hagab, tu l'as qu'un nerf, poteau. Mais j'ai plus de balles. Ah bah c'est bon alors. Ouais, c'est bon. Il est où ton sauce là? Il se cache dans les bois. Il a peur de venir devant les 60 000 personnes du live. Et toi t'habites dans le coin toi? Ouais. T'es en vacances? Ouais. Toute l'année? Ouais. Hey. Ah bah. Écoute-nous bien. On n'est pas les gens d'internet que tu crois. Oh. Là frérot, regarde bien. Je descends, on fait un corps à corps. Si tu gagnes. Non mais tu fais un vrai cette fois-ci. Un vrai corps à corps. Si tu gagnes mon sauce, on fait des photos. Je dois exaucer un de tes souhaits. Non, si je gagne, je gagne quelque chose. Ouais, j'exauce un de tes souhaits. Vas-y. Mais si je gagne, t'exauces un de mes souhaits. Imagine, il dit c'est son. T'as dit quoi? Le chinois? Frérot, je me suis entraîné depuis le chinois. Vas-y, j'arrive. Vas-y, corps à corps. Ok, vas-y, corps à corps. Mais c'était même pas en chinois. Si, c'était chinois fou 9 secondes. Si, si. Ah oui? Ouais. Si, chinois lunettes quartier, là. Allez, corps à corps, hein. Je sais pas si je gagne, il est en survêtement quechua. Eh, ça, je suis un peu yombé, ils ont nickel ambiance. Ouais, ils ont nickel ambiance. J'avoue, c'était bien. Ça m'a enlevé tout le flip. Toute la flip, ma gueule. Parce que je sais que s'il y a quelqu'un maintenant, on est au moins 8 pour le jumeur. Frère, j'ai aucune flip. Ah non, je sens que je fais toujours d'accord. Mon souhait, ça va être quoi? Ça va être qu'ils partent. Ouais, vas-y, on continue, on fait le deuxième. Je t'en supplie. Baise-lui sa grand-mère. Frérot, je sais pas, je le connais pas, mais je vais tout donner en tout cas. Ok. Imagine mon souhait, je lui dis quoi? Je lui dis frérot, il y a 60 000 personnes ou 100 000, je sais pas, mange une des pieuvres. Je serais trop heureux. Frérot, il va pas le faire. Et si tu perds, tu vas le faire, c'est parce que t'es trop gentil. Voilà. C'est vrai. Ton souhait, il va pas le faire. Arrête de dire que je suis trop gentil, dis que je suis une salope. Salope. Mouah. Swag. Vas-y, t'es où? T'es pas là. Le bébé, il a bougé. Non, il a toujours bougé. Bon, vas-y, corps à corps. Le bébé, il a pas bougé? Non. C'est bon. Frérot, je vais faire un corps à corps. J'ai mangé mes 7 mixtes. J'ai pris du blé. Tu peux lui vomir dessus. Il va sentir la tête par des protéines. Vas-y, c'est bon. Et tu...
Ça va quoi ma gueule? Ça va, tu vas bien? Tranquille. Comment ça qu'il est sous les mains, tu t'appelles? Oh l'arnaqueur, wesh. Non, là tu te fous un peu de notre gueule. Ah tu te fous notre gueule. Comment ça Kevin? Pas nous, wesh. Je fais pas de délit de faciès. Il est où ton j'oserais jamais, mais... Pourquoi c'est super flou? Il a peur. Il est en train de construire une maison, t'es à Fortnite là. Non, mais peut-être... Par là, il est plus à l'aise dans les buissons. Pourquoi il y a une autre entrée, mon ref? Ah il y a une autre entrée. Bah non, justement, on a fait le tour. Wesh, il a fait peur à personne, l'arbre. De fou. Oh, le flopper. En plus, on lui cherchait sur Paname, mais on était à ça. Plus autre comment sur Paname? Ah, pour hein les iPads et tout, là? Ouais. Ah, dommage. Pourquoi tu fais Zarma, tu check alors que t'as été avec lui? Ah oui, débile. Attends, t'as joué dans une série, toi? Comment tu sais? T'as regardé la série? Attends, quelle série déjà? C'est un film de cul, non? Quoi? Non, ça va vraiment pas, mon wesh. C'est sûr. Ça, là, c'est le ramat. Voilà, il dit un truc. Il dit personne, Amine? Non. Attends, t'as l'air moins balèze, hein? J'ai l'air moins balèze, ouais. Parce que j'ai maigri. Elle a maigri, mon ref. Mais coup. C'est vrai que tu pues dans la vraie vie. Tu me crois? Quoi? Quoi? Mais moi, je vais te mettre un coup de clé à molette. Ça baise à la vie. Je vais te mettre un coup de clé à molette, moi, y a pas de... C'est vrai que tu pues dans la vraie vie, Amine. Comment? Hein? Ah, c'est les vannes habituelles, là, on va tomber là-dedans. Regarde, là, tu vois, il y a 60 000 personnes. Tu vas faire les vannes habituelles, ils vont dire que t'es pas drôle. Hey, ce soir, c'est moi, votre adversaire, les refs, c'est tranquille. Là, il y a un corps à corps qui va s'organiser. Mais vas-y, on te prend un 2. Mais non, bah non. Pas un 2, mais t'es un fou. Comment ça, un 2? Si tu vas prendre tout seul. Si vous voulez, chez toi, après toi. Pourquoi t'as une pioche de Minecraft? Mais attends, pourquoi tu veux commencer par me défendre? C'est le plus faible, si tu veux t'attaquer au. Ça, comme vous voulez. Mais j'en prends un. Et si je gagne, après Blaise, j'ai fait de la prison. Prends-le d'abord. T'as fait du tel wahab sur quoi, frérot, toi? Regarde. Pourquoi tu es venu ici? Non, moi je veux pas, c'est toi. Parce que toi, t'es gentil. Toi, tu fais des vannes, t'as l'air sûr de toi et tout. Ouais, ouais c'est réel. Moi, c'est réel, ça. C'est réel, ça. Tu te mets bon, tu vas te battre au lieu de te mettre des doigts dans le sac. Donc, enlève ta veste, fais le corps à corps maintenant. Fais le corps à corps maintenant. Ah, mais attends, mais je gagne quoi? Bah, t'inquiète, je t'ai dit. Tu gagnes un dégradé là, il t'en reste 3, je pense. Il reste. Franchement, il lui reste 3 dégradés, je pense. On voit les contours, hein, là. T'as des iPhones. Non, attends. Il lui reste 3 dégradés. Voilà. T'as la coupe à Macron, frérot. Mais enlève ton bonnet, gros. T'as la coupe à Macron. Regarde, enlève ta veste. Mets tes mains dans tes cheveux dessus. Non, c'est chaud, voilà, c'est chaud, mon gars. C'est compliqué. La Turquie, l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Combien sort déjà? Bah, vas-y, c'est toi pour le corps à corps. Hein? C'est toi pour le corps à corps. De base, c'était lui, mais tu connais, moi, je prends le corps. Les refs, arrangez-vous. Moi, je prends celui qui a été décidé. Prends, je te prends après, t'inquiète. Frérot, j'en fais qu'un, moi. Vas-y. Après, je gagne quoi? Vas-y, viens, c'est bon, moi, je commence. Vas-y. Tiens, vas-y, saute son pote. Attends, je dois filmer un combat, là? Amine, je te prends après. Frérot, je suis pas ta femme. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un ouf. Vas-y, tu veux pas enlever ta casquette, mon ref? Moi, je sais pas me battre pour rigoler. C'est des grands baisers. Eh, hey, corps à corps, pas droit de mettre de coup de poing, de coup de pied. Pas de coup au parti intime. Non mais là c'est un culot, c'est un contre son camp ultime. Ouais, de vous. C'est nous on devrait poser la question, mais là je vais péter un coup. Mais là attends, mais je veux... C'est bon, hey, si je gagne, j'ai droit de vous faire... Tu dois exaucer un de mes vœux. Okay. Et si tu gagnes, j'exauce un de tes vœux. Vas-y. C'est bon ou pas? C'est bon. C'est quoi les règles du corps à corps? Corps à corps, le premier qui tombe au sol a perdu. Vas-y. Non. Et non, celui qui est au-dessus de l'autre au sol a gagné. Pendant 3 secondes. Voilà, 3 secondes, faut être au-dessus de l'autre. Vas-y, ça marche. Attends, viens, on trouve un truc, y'a pas de cailloux. Non, c'est bon. Ici, c'est bon là. Ouais, ici, c'est un bon petit terrain là. C'est bon? Vas-y, c'est carré. Vas-y, mon ref, ça marche. Vas-y. Tu veux pas enlever ta. Frérot, avec ta lampe torche, Belek. Belek avec ta lampe torche, moi. Bouge un peu avec ta lampe torche. C'est mer. Ouais, faut pas que tu filmes contre. Ouais. Ah, t'as une bonne petite coupe par contre. Hein. T'aimes bien? Ouais, toi, dans 6 mois, tu vas à Dubaï. Tu veux pécho? Ouais, non, t'es frais. Ouais, c'est t'es frais. Vas-y, c'est bon, c'est carré, mon ref. Vas-y. Oh. Attends, y a des gens. C'est qui? Non, 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 t'inquiète. Dis celui qui est dessus, hein. Non, relevez-vous. Il y a eu la dame. C'est qui la dame? Il y a une dame qui a parlé. Il y a une dame. Elle a dit quoi? Elle a dit, j'appelle l'armée de terre. C'est pas grave, on les met. Vas-y. Elle commence. Tu vas se remettre là, non? La dame a fait peur. J'ai pas entendu, voilà. Allez, vas-y, on commence. 1, 2, 3, adieu. La dame, elle est où? Vas-y, on va reprendre. Elle est vers la droite, elle est vers ici. T'as un écureuil. Vas-y. Ouais, vas-y, voilà. Vas-y. Allez, mon petit. Ouais, vas-y. Ouais, c'est un combat qu'on a dessin, frère. Voilà, Bélé. Non, clé de bras, ma gueule. Y'a pas eu 3 secondes. Il perd de l'énergie. C'est bon, il est grand pas costaud. Voilà.
va juste au futsal. Il va juste au futsal. Que il dribble. Ah merde. Bon. La biliste, c'est parfait. Oh. Oh. Vas-y, 3 secondes. Oh. 3 secondes. Oh, Sacred Brice. Oh, Billy. Oh, Billy. Oh, Billy. 1, 2, 3. Ah, frérot. Frérot, je suis désolé, mais. Bravo, bravo, bravo. Vainqueur. Vainqueur. T'es trop long. Hein? Je suis mort. Non, pas mal. Alors, ça, serrez-vous la main là. Serrez-vous la main avec respect. C'est respectable. Bravo, Suleiman. Voilà, je suis KO. Attends, par contre. Mais voilà, j'ai apporté mes couilles. Tu veux le faire aussi? Bah ouais. Attends, il est fatigué là. Il est fatigué le poteau. Non, moi, je vais te mettre un clair mono direct. Je vais te mettre une. Hein? Moi, je sais pas. J'ai pas réussi sa mère. Ouais. Ah, c'est quoi le vœu du coup? T'as des longues jambes, sa mère. T'es bien après. C'est quoi le vœu que tu veux qu'elle exauce? Ah oui! Le vœu Hagal, toi! Mon ref! Il a oublié la seule! Y'a combien de personnes sur live, Sefi? Y'a 60 000 personnes, ma gueule! Mon ref! Devant 60 000 personnes, tu dois manger un truc! Viens là! Il va pas le manger! Hey, il va jamais le manger! Il va prouver à 60 000 personnes! Non, voilà, casse-toi! Frérot, voilà, un bout. T'es obligé de manger un bout de poule! Non, mais t'es fou! Si, frérot! Arrête, frérot! T'as perdu, wesh! T'aurais demandé un truc, il l'aurait fait! T'aurais demandé un MacBook Pro, ma gueule, c'est bon! On est des hommes, on a fait du ma gueule! C'est du poisson, c'est halal, tu veux pas manger, frère! Je le vois, il était par terre, mon ref! Non, c'est bon, t'inquiète! Ma gueule! Il y a 60 000 personnes! Frérot, il y a 60 000 personnes! Non, non, parce qu'il est venu il y a 5 jours, c'était pas! Non, non, non! Qui a ramené ça? Toi, t'es perspicace, toi! Pose des bonnes questions. Comment tu te trimbales avec ça? Toi, t'es un mec bizarre. C'est là depuis moins de 3 jours. C'est toi qui leur. Ma gueule, il y a 61 personnes. Oui, bah oui. Soit tu te défiles. Quoi, t'as le droit. Mais tu dis devant la caméra. Vas-y, j'ai pas les couilles au calme. Je respecte pas mes engagements. Soit t'es un vrai rager, un vrai bonhomme. Ah, bon, ça, je suis une pute, soit. T'as capté. Non. Non, apparemment, je pense que c'est un peu toxique. Le poteau, j'ai pas envie d'avoir une maladie. Merci. Sur le dos. Je crois que c'est un peu toxique. Je te jure, Elbaï, ça fait 3 mois, il est là. Faut lui trouver un autre truc à faire. Faut trouver un autre truc à faire. Comment tu sais que ça fait 3 jours? Ouais, c'est fini, il est venu il y a 6 jours. Ça y était pas. Ouais, je suis venu il y a une semaine, ça y était pas. Il est là tout à l'heure? Ouais. Je l'ai vu tout à l'heure, ouais. Mais frérot, t'es encore essoufflé, t'as fait le tour du. Il essoufflé aussi, t'es en ouf, toi. Un peu moins, quand même. Mais bravo, bonhomme, tu t'es battu comme un bonhomme. J'étais presque. Ah, t'as tout donné, ma gueule. Qu'est-ce qu'on peut leur faire comme défi? Je sais pas. Elle est obligée de faire. Toi, t'as perdu, t'es obligé de faire quelque chose. Ah, tout le monde dit dans le chat, le défi c'est de partir d'ici. Ouais, de toute façon, on va se barrer là. Non, mais c'est trop facile ça quand même. Moi, je suis d'accord avec le chat, hein. Ça me dérange pas. Hein. Trouve un truc. Non, ouais, mais c'est ça mon rêve. Partir. Non, même pas. Non, on lui fait faire des pompes et il dégage. Ouais, il va faire. Il va faire 3 burpees et c'est bon. 3 5. 5 burpees? Je suis trop gentil, putain. T'es trop gentil, frère. 15. Ma gueule, 15 burpees. Ça, et vous devez partir. Ouais, j'avais posé. Et c'est toi, tu vas aller faire les burpees. C'est un bon, c'est toi. C'est quoi les vers burpees là. Ouais, t'es là. T'es là. Ouais. Burpees, tu fais une pompe, mm-hmm. Tu sautes, tu redescends une pompe. Ou alors, ça, j'ai une idée de fou, il met le poulpe sous la casquette et repart comme non, ça. Non, ouais, c'est bon. J'ai eu burpees. T'as vu, toi, t'es pire que en fait. Ouais. Non, t'inquiète, tu vas les faire. Tu vas les sticks dinosaures dont tu parlais. Ah oui, ils sont là. Prends-en un pour ta petite russe. Ouais, t'as raison. Ça va être hanté par un esprit. T'es un malade, tu t'es un rat. Qui fait les 15 burpees entre vous deux? C'est lui, c'est lui. T'as vu comment il est? Lui, c'est pas trop ça, c'est la relation. Il est pour Calto. Il est avec vous? Ah, vous êtes trop en fait. Mais là, Zermatt, depuis tout à l'heure, il est dans. Ah, il y a un bouc qui est caché dans le buisson là. Lui, c'est la salope qui est pas venue, qui est restée cachée dans le buisson. Ah, ok. Et lui, il nous a rejoint après. Attends, Zermatt, vous êtes là depuis quand? On vient d'arriver. On est arrivé quand tu nous arrives avec les flashs, vous venez d'arriver. Moi, j'arrive de Marseille. On s'en fout, là, tu dois m'attendre. Non, c'est possible. Si, parce qu'il fait la fibre. C'est possible, ça se voit, je te jure. Il fait la fibre. Attends, c'est toi là qui a jamais voulu installer ma fibre pendant 3 ans? Non. Si. Non. Je vous connais, vous. Ah, c'est toi, Ahmed. Si, ça. Ahmed 7-5 sur Snap. Perspicace. Ahmed 7-5. Ouais. Putain. Non, allez, en vrai, soit des burpees ou alors il danse. Devant 60 000 personnes, il fait une petite danse. Et c'est dansé. Vas-y. Tu danses et je veux à la fin, tu fais le truc Fortnite comme ça là. Ouais. Vas-y, bah mets-moi une musique. Ah, vas-y, faut trouver une petite musique. Ok, mon bigot, c'est toi non? C'est moi, wesh. Ah, ouais, j'ai l'air. Ok. Je mets quoi comme musique? Ou alors tu fais un petit logo bi. Fais-le danser vite comme ça. Mais lui, prod, instru, lofi, chill. Non, ça, en vrai, il ressemble à un petit rebeu bien funk.
C'est vrai, faut mettre. Tu veux que je fasse une dose de Lyon, une funk. C'est pas un funk. Vas-y. C'est pas un funk. Samedi soir. C'est samedi soir. Je suis dans l'ambiance. C'était pas ça le son, je crois. Ah, je crois non plus. C'est pas grave. Ouais, j'ai envie de mettre de la funk. Allez. Plus, plus, wesh. Continue là. Ouais, ouais. Chiche. Bon, vas-y, les gars. Vas-y, bonne soirée. Ah, t'es un boss. Vas-y, les gars. Vas-y, bonne soirée. Vas-y, sors la gueule. Vas-y, bisous. Ciao. Ah, ouais, Valor. T'es un bigot, là. Vas-y, Macron. Ah, t'es un bâtard, ça va juste faire la fin maintenant. Ah, ça va l'appeler Macron au quartier. Merci. Là, tu vas à Marseille-Saint-Charles, là ? C'est quoi votre voiture ? Non. On vous dit après. Hein ? C'est un ouf, comme ça. Ah, ouf, tu veux, de fou. Non, tu veux voler mes jantes, wesh ? Hein ? Tu veux voler mes jantes ? Non, c'est comme ça. Comment ça, c'est quoi votre voiture ? C'est quoi cette question de fou ? Alors là, la question de fou. Non, mais c'est pas. Non, mais ça se voit, il habite à côté, vos mecs. Vas-y, Souleymane. Vas-y, mon ref, vas-y, les refs. Emmanuel. Arrête avec ton nerf, là. Bon, j'ai honoré ou pas, les refs ? Ça va ? Bravo, bonhomme. T'as eu. Bravo. Elle avait de trop longues jambes, j'arrivais pas à l'attraper, sa mère. Moi, je savais que t'allais gagner. Parce que. Pourquoi ? Petit parce puissant explosif. T'es trop endurant. J'étais plus endurant que lui, mais. Il avait pas trop de force, mais il était trop long, wesh. C'est dur de se faire un corps à corps contre un mec long, je trouve. Mais heureusement, t'as fait avec lui, parce que l'autre il fait 1m50, je sais pas ce qu'il a voulu. Chercher, tu... Non, mais il serait passé entre mes jambes, il aurait fait des trucs de fou. Non, mais tu l'aurais porté, t'as Kane contre Rey Mysterio. Wesh, y'a rien à. Carrément, j'ai eu peur que tu. Heureusement, t'as fait l'autre, quoi. Tu l'aurais blessé, frère. Ah ouais, chat. C'était son manager, le Macron, là. Ah ouais ? Ouais. On fait le cul ou quoi ? Vas-y, moi je suis chaud. Il est où le cul ? C'est celui-là ? Alors, en fait. Mais Zarma, là, c'est trop là, compliqué de rentrer. Là, c'était la petite mise en pause. Là, c'était la mise en bouche. C'était la petite activité du. Oh ouais. Ouais, pour se détendre. C'est l'entracte. Après ça, j'ai vraiment plus peur du tout. C'est trop grave. Qu'ils sont partis, ça revient. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Ah non, elle peut enculer. C'est l'entrée du deuxième lieu. Ah non. Mais c'est qui la dame qui a crié, moi ? Mais c'est vrai. T'es mal, ils sont en train de se brouillant, là. Peut-être c'est la police, non ? Non, moi j'ai une supposition. Imagine, il a pas apprécié que tu l'aies couché par terre. Il revient. Toute sa cité et on se fait mêler nos grands-mères. On doit vite connecter les lieux avant. Eh frérot, on l'a quand même fait danser du logopi devant 60 000 personnes. Il y a un bug là, il va se faire appeler Macron à la cité pendant toute sa vie. Il y a les gendarmes. Il y a quoi ? Apparemment, il y aurait les gendarmes, mais je les crois pas. Non, il y a pas. Comment ils peuvent savoir, Zarma ? Il y a une autre plante-cam là-bas ? Oui. Il y a vos ultimes dans la zone. Comment ça, 6-6-6 ou... Alors, il faut rentrer par le trou, mon ref. Mais non, casse-toi. Si, t'es obligé. Hein ? Il faut rentrer à quatre pattes, là. Mais c'est beaucoup trop propre, c'est que c'est... C'est en très bon état, là, en fait. Ici, c'est en très bon état. Comment tu rentres, Sophie ? La dame a appelé la police. Mais les refs, En fait, ils disent qu'ils ont entendu genre la dame dire je vais appeler la police. Ah ouais. mais les refs, tu sais comment je rentre jamais là-dedans. Si, tu rentres ma gueule. T'as maigri, frère, tu te sous-estimes. Mais même Billy là-dedans. C'est comment le Billy ? Hein ? C'est comment le dedans ? Il y a des pièces de intact. Mais Armand, on a aussi dit là. Mais attends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi rentrer là alors qu'il n'y a que deux pièces ? T'inquiète, tu peux monter. J'ai rien dit. Bon. Tu rentres ? Ou tu veux que je rentre en premier ? Tu peux, hein ? Attends, je vais rentrer en premier, comme ça je prends ta cam après. Vas-y, bébé. T'en galères, là ? Wesh, je filmais trop ton cul là. T'es câblé ? Oh, le plan de fou.
Ok, faut que tu tiennes la carte. Attends, faut que je me débranche de bille. Pour ça. On la ramasse. Il est où? Tu l'as fait tomber là. C'est quoi cet endroit? Vas-y, avance, Samy. Sophie, ça va? Ouais, tranquille. Et rentre, avance. Oh, c'est quoi ce lieu? Comment? Ouvre. What the fuck? Wesh. Là, les forces sur l'impact. Wesh. Attendez, je rebranche juste la lumière, les refs. Sinon, on va plus avoir de lumière. C'est bon, on est bon. marinam@evolutionvoyage.com. Eh, prends ton tournevis, là. Billy, prends ton tournevis au cas où. J'ai la lampe, j'ai la pioche Minecraft. Ok. Priscilla, la chanteuse. C'était quoi? C'était pas... C'est ma salope à moi. Ah, c'est ça. Zepi, j'ai confondu avec Doc Génico. Je suis ouf. Quoi? J'ai confondu avec Doc Génico, je suis ouf. Quand j'étais tout petit, j'étais amoureux d'elle. Ah, moi, c'était Laurie. Ah, moi, c'était Priscilla. Ah ouais? Chez moi là. Bah en vrai là, c'est l'internat. Il me semble que c'est l'internat de où les enfants dormaient. Pourquoi il y a un trou? Wesh, regardez, il y a écrit quoi? C'est écrit quoi? Help me, et il y a un triangle bizarre. Help me. Mais pourquoi il y a un trou maintenant dans un autre couloir? Alors qu'il n'y a pas moyen d'y accéder quand on a monté de... Le... Mmh. Mais wesh, mais il y a des signes, t'es allé fou, t'as pas vu Billy là? Tes mains, ça fait une bouche quand l'endroit où t'es ouf. Oh t'es ouf. T'as pas regardé les murs, Billy? Oh, t'es ouf! Non, j'ai pas vu. Mais ça fait. Wesh! C'est un dessin, c'est une bouche où t'es rentré. Wow! Et il y a une croix sur le front du dessin. Ah bon? Wesh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un gloriole. Mais frère, c'est abusé là. Parce que qu'on a monté l'escalier, on pouvait aller que dans ce couloir où vous êtes là. Et y a pas d'accès pour venir ici sans en cassant le mur. Mais c'est en trop bon état là par contre. Mais frérot, ce que je te dis, j'ai envie de dormir ici là. Non, c'est en trop trop bon état là. On dirait un bureau étudiant. T'es mal, il y a des posters encore. Non, on descend des démons. Mais c'est fou que tout soit en bon état comme ça. T'es mal l'étagère, frère. Il y a encore une bouteille d'eau, Zarma. Putain, Mikado, c'était feu ce jeu. T'es ouf. Attends, t'as dit Mikalo? Mikado. Mikado, pas chez nous, Billy. Il est parti tout seul, c'est bon? Oh, il est parti tout seul là-bas. Il y a quoi là-bas, Billy? En fait, c'est trop bizarre parce que. C'est plein de pièces qui ont été condamnées par ce mur. Ah, ok. Et c'est archi bizarre parce qu'il y a un. Il y a un berceau pour bébé dedans, il y a un. Ah ouais? Il y a un. Comment on appelle ça? Tu sais, les baby trucs où ils peuvent dormir dedans. Ah ouais.
Il y a ça, il y a deux pièces, il y a plein de pièces, c'est bizarre que ça ait été condamné. De ouf. Vous venez ? Bah vas-y, viens. T'arrives. Pas besoin d'aide ? Non, c'est bon, t'inquiète, je passe avec le matos. Zombie. Ouais, j'ai un jeu de fléchettes. J'ai une mallette. C'est pour du poker, je pense. Y'a rien dedans. T'as moi, c'est un double fond. De 2000. Oh, c'est une dinguerie, frère. Regardez, ouais, j'ai encore des lecteurs DVD et tout. Oh, attends, j'arrive. Il y a une salle que tu t'as pas. Wesh. Ah non, c'est un truc de ouf. C'est quoi ? Eh, hey, il y a des clés là. C'est des clés de quoi ? Il y a grave des médocs par terre. Mais frère, wesh, c'est super en bon état là. C'est quoi ? Mais c'est en bon état de fou. Mais frère, là. On dirait un appart, ma gueule. C'est quoi ça ? Je sais pas, il y a grave des médocs par terre comme si quelqu'un s'était shooté. Ah ouais ? Devant des trucs de bébé. Fils de pute ! Il y avait quoi ? Fils de pute ! Il a fait quoi, ce fils de pute ? Fils de pute ! Tout ! Ah, fils de pute ! Ah, c'est quoi ce berceau là ? Je vous avais dit ça dont je te parlais. Je vous avais dit cette partie là, elle était plus intacte. C'est quoi, quasiment neuf, hein ? C'est quasiment neuf, Miguel. Putain, j'ai plus de lampe, j'ai plus de lumière dans ma main. Okay, ça, c'est quoi ? Ah, c'est une ampoule. Ah, mais tu peux remettre ton partage de quoi ? Vas-y, trop chaud. Mais Théma, tu peux te poser sur le fauteuil, frère. Mais ce qui me tue, c'est que t'avais même des produits russes pour les graisses. Ah ouais ? Regarde, Canita, ça doit être le Nutella russe, non ? Ah ouais ? Ah non, c'est un truc de carotte. C'est meurt. Quoi ? T'as lâché un molar là ? Non. Il y a plein de choses, mais pourquoi ça a été condamné par. Eh, Billy Billy, ouais. Viens voir la date de péremption du Nutella russe là. En vrai, on aura un indice, la date de péremption. Ouais, c'est vrai. Au moins, on aura un indice sur quand ils ont quitté les lieux. Ah, mais c'est écrit russe, je pense. Ah oui. 18-08-2016. Ouais, c'était 2016. Ça veut dire qu'ils ont dû l'acheter peut-être en 2014. Bah, c'est comme je vous ai dit en fait, en 2016, c'est quand ils ont quitté les lieux. Donc je pense que c'est vraiment un tag de 2016 là. De 2014, parce que généralement quand t'achètes un produit avant, ça périme 2 mois après, enfin 2 ans après plutôt. Ouais, de fou. Surtout les trucs en bocaux, en vocal comme ça en conserve. C'est un don't be happy. Sad. T'es triste, Billy ? Non, mais ça me rappelle trop les jeux horreurs que je fais dans mes soirées. Il y a une histoire avec la mère et tout. Wesh, mais il est en trop bon état, Lily, je l'avais pas vu là, j'ai envie de dormir là. Mais ça, il est à l'air clean, hein ? Mais frère, lui, il est partout, je vais péter un plomb. Même le papillon là. Mais regarde lui là. Ah ouais, t'es ouf. Avec les yeux qui pleurent, il est partout. C'est pas des yeux qui pleurent, c'est des yeux qui ont crevé avec du sang. Allez, tiens, je te vois. Allez, hop. Aïe ! Attends, apparemment, il y avait un frigo dans l'autre pièce. Ah ouais ? Il est où le frigo ? Mais pourquoi ces pièces-là, ça a été condamné par un mur, je crois ? Il y a pas de frigo. Ah, il est là, le frigo, les refs. Mais il y a rien dedans, je vois. Il y a rien dedans, ouais. Hein ? Ah. Vas-y, avance, hein, salut. Jure. Mais je te mens. Non. Non, mais on dirait pas une chambre, on dirait une chambre normale. Ouais, c'est vrai. On dirait une chambre normale comme si. Tellement le miroir comme il est intact. C'est ouf. Ils ont tout cassé ce miroir. Non, frère, imagine, y'a quelqu'un. Oh, wesh. Gros, c'est trop propre. Wesh. Oh, c'est un squat de ouf. Zubi, il faisait même la vaisselle, Théma, il y a du multidégraissant. Et apparemment, derrière le frigo, il y aura une porte secrète. Jure ? Apparemment. Bah tiens, on va voir. Ils ont dit derrière le frigo, il y a une porte secrète. J'ai envie de les croire.
Je la chambre, on dirait elle est encore habitée. Je pense qu'elle est habitée. Il y a une pièce en haut secrète. Ah ouais? C'est derrière le frigo? C'est quoi cette porte? C'est quoi ça? Putain, mais on est où ça? Ouais, c'est une porte secrète. Je suis pas du tout frère. Ça. Eh, hey, tu peux poser à côté. Ton cousin Abdel, il est venu ou quoi? Ça. Ça, fait plaisir. Ah oh, ouais, c'est miteux. Pas de fou. Dans un état déplorable. Un aberrant état. Cette chambre, elle fait baver quand même. Hein. Ah ouais, de fou. Alors, moi, bon état, wesh. On dirait elle a brûlé. Ouais. Après, c'est pas normal que la couette soit désintégrée comme ça. Non, je pense à la bonne. Tu en veux un? Ah, y'a encore un étage? Eh, hey, c'est quoi là? Ouais, y'a encore un étage. Attends, frère, y'a encore un étage, viens, viens. Ah, l'étage de fou. Jure. T'as dit quoi, Billy? L'étage, il est incroyable. Ah ouais? Wesh, petite moquette et tout. Ouais, c'est l'archivage. Jésus, ma gueule. Zarma, la squale, ma gueule. Le couloir, il est terrifiant. Ils ont osé dire qu'il y avait des pigeons, c'est qu'il y a un cadavre. Les pièces et les refs. C'est trop bizarre. Bien, Sophie. Wesh. Elle se ferme toute seule cette porte. Ah ouais? Faut mettre l'extincteur? Mais il y a quelqu'un qui a mis un extincteur. Hein. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens qui passent par ici. Ouais, eh, Belek, hein. On peut se faire refermer derrière nous si on voit là. Il y a une pièce. Mais frérot, il y a quelqu'un qui a mis l'extincteur pour pas que la porte elle ferme. Mets l'extincteur. Quelqu'un est passé ici. Attends, moi je peux pas avec le yep, ma gueule. C'est trop dur. Vas-y, je vais tirer la porte. C'est fille, va filmer à l'intérieur. Il y a attends, une pièce secrète. Vas-y, attends, tiens la porte. Attends, tiens la porte. Non, c'est bon, je la tiens comme ça. Mais non, regarde. Une seconde, attends, venez. Ouais, c'est bon, ça tient. Eh, il y a une pièce secrète. Ah ouais? On dirait que c'était un truc pour se cacher ici. Wesh. Frérot, il y a encore des bouteilles de cheese et tout. Eh, c'était un big aquarium, Théma. Où? Là, il y avait un big aquarium. Ah ouais. On dirait l'aquarium de Inoxtag, Zobby. Les refs, on a compris le frigo, on ira voir juste après. Bah vas-y, mais nous, on va voir maintenant, on a fait l'étage de toute façon. On a fait l'étage. Vous inquiétez pas, on savait qu'on devait retourner au frigo. Oh putain. Il y a encore. C'est fini. Dis-moi. Ah ouais? Ouais, j'en ai vu en vélo. Oh merde. Parce que là, on voit pas où on est rentré. Ok. Non, j'ai pas filmé. J'ai flippé mon autre regard. Wouah! Oula! Oh la vie de ma mère! J'ai cru qu'il y avait une perruque. Tourne-la! Oh Zobby, on dirait mes cheveux! Oh. Frère, elle a pas ma coupe! Frère, me dis pas, qui dormait là? C'était il y a pas longtemps ça! Ouais, j'imagine. La San Pellegrino, elle est neuve en tout cas. Oh, c'est quoi cette porte? Ah non, il y a une porte de fou! Oh la dinguerie! Ah ouais, non, non, c'est une dinguerie, frère! Oh la dinguerie! Oh, c'est une dinguerie! Oh la dinguerie! Oh, c'est une porte vers le vide! En plus, c'est écrit open, jump! Oh, je vais serrer, frère! Oh la vie de ma mère, imagine que tu serais avancé comme un chien! Comme... Oh, c'est une dinguerie, frère, c'est un trap de fou! Eh, je serais tombé, je serais mort là, c'est trop grand! Open, non, jump! Imagine, t'aurais mis un chassé ou un truc comme ça! Attends. Oh, frère, c'est trop grave! Non, non, arrête, Amine, wesh! T'es tout en haut, ma gueule! Mais frère, je suis fou, c'est une église! De quoi, où ça? Une église abandonnée. Où ça? Où elle est pas abandonnée? Ça peut être abandonné. C'est une chapelle, là.
Ouais. Elle a abandonné ? Non, c'est la garderie des enfants. Ils ont vu comment c'était haut ? Ouais. Putain. Mais frère, t'as vu le trap ? C'est marqué open, jump. Ouais. Et en vrai, gros, tu marches sans regarder, c'est trop dangereux. Frère, t'as un pas de tomber, frère. T'as un pas de mourir. Eh, regarde, bonne idée de fou qu'on m'a... Ils ont dit dans le chat. Regarde la date de péremption du San Pellegrino, tu peux savoir approximativement si ça va. Sur un bouchon peut-être. 09-2019. Ah bah c'est il y a 2 ans ça. Ah non. Attends. 2 moins 2. Attends. 3 ans. 3 ans ouais, ouais, je sais pas faire de calcul mental. Je sais pas. C'est de la merde. Déjà du café ou du sang ? On dirait du caca frère. Ça peut s'effondrer, frère. Qu'est-ce que tu veux ? C'est bon, il y a de l'espace en fait. Tu vas habiter là ? Il a entendu un bruit. Ici, là ? Sa mère. Ouais, c'est un magasin chez Miffy. Vous voulez un écouteur ? Non. Bah, t'arrêtes, c'est dégueulasse. J'ai que des chargeurs. Maté, ouais, j'ai que des chargeurs, des piles et tout. Trop bizarre. C'est ça, c'est le chat ? Quoi ? C'est quoi ? C'était le chat, je vous avais dit. Il y avait un chat, zombie. Il y avait un chat. Fils de pute. Fils de pute, il m'a fait trop peur. Oh, fils de pute. Il était juste là, le chat, il est pas sur le courant. Oh, il m'a fait flipper, frère. Je vous avais dit, j'avais entendu un bruit, ça. Il y avait un chat, wesh. Ah non, c'est toi, ça te rappelle. Tu te rappelles ce que j'ai dit quand on est arrivé ? T'as dit quoi ? Il y avait un chat noir qui nous regardait dans les c'était yeux. C'était lui ? C'était un gros chat marron, là, quand même. Bah après, peut-être il était marron. Mais il y avait un gros chat qui nous regardait dans les yeux. Frère, j'ai eu une sueur. En fait, il m'a marché dessus, le chat. Je me suis chié dessus. Ouais, là, c'est juste à côté de toi. On est passé par là, pas là ? Minou. Imagine ton chat, tu carré chez toi alors qu'il était là juste avant. Frérot, pourquoi il y avait Garfield ? Moi, mon chat, j'ai deux chats, s'ils fréquentent des endroits comme ça, je vais pas être content. Ah ouais, non, c'est mort. Je vais leur dire. Engueule tes chats, ils méritent. Non, mais je vais les secouer, je vais leur dire. Attrapé par le col. Attends, cette porte, on n'exploite pas ? Billy ? Wesh. Attends, c'est une porte vers le vide. Non. On peut même pas l'ouvrir, elle est en béton blindé. Alors, béton blindé, ouais. Si, non. Essaye. Non, impossible. Ah, c'est ça. En bas, c'est en bas que c'est fermé. Comment ça s'ouvre ? Faut une clé. Ah ouais, bah oui, faut une clé. J'avais trouvé des clés par terre tout à l'heure. Ah, bah, c'est ça. Ouais, j'arrête pas à tomber comme ça, frère. Il est où, là ? Je vais l'enculer, lui. Ah non, on était passé par plein de petits papiers. La porte oui, derrière. La porte derrière le frigo, les refs, elle met au même endroit où on a été. C'est une boucle. Mais il était là-bas le frigo. Bah, ils ont mis un point là. Oui. Imagine. Mais je pense qu'elle mène là où on était. Ils ont mis un point là. Imagine ici, il y a le One Piece, il y a un trésor de fou. Waouh. Attends, il se trouverait où ? Dans l'océan Atlantique. Dans l'océan Atlantique. Pile là. Wow. Dans le triangle des Bermudes. L'océan Atlantique, il est comment ? Il est bleu. Blue East. East Blue. Ouais. Il a East Blue le One Piece. Ouais. Et ouais, mon pote. Ah, c'est des vrais ou des coquettes de sang ? C'est des vrais, mais de il y a 15 ans. Enfin, ils ne fonctionnent plus. Essaye de faire passer à la boulangerie. Ouais. Prends des billets, wesh.